Bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire organisé par l'ICF Synergie, l'Alliance des coachs francophones de l'ICF. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous accueillons Lynn Ginny qui va nous parler de la visualisation pour un coaching profond et puissant. Bonsoir Lynn. Bonsoir Yatiz, bonsoir à tous. Alors Lynn, tu es présidente de l'antenne ICF Grand Est, région regroupant l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne en France, en voie de passer son PCC, formée et certifiée par Ericsson International. Tu interviens principalement auprès de professionnels indépendants PME et grandes entreprises où, avec le coaching, tu leur permets de développer leurs compétences, d'optimiser leur gestion et du coup d'être plus performants et serein dans leur activité. Que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Tout d'abord, merci Yotis pour cette présentation. Alors peut-être rajouter comment j'en suis venue au coaching. Parce que passionnée de développement personnel depuis toujours, lorsque j'ai choisi mon orientation, je ne connaissais pas ce métier de coach. Pourtant, j'aurais rêvé en faire ma profession à l'époque. Du coup, je me suis orientée dans le contrôle de gestion, qui me passionnait également, où je pouvais faire le lien entre mon côté très rationnel, chiffré, mon côté plus créatif pour rédiger des choses. Et surtout, ça me permettait de répondre à recherche d'optimisation, atteinte d'objectifs. Cependant, le pouvoir de la visualisation est tellement puissant que me voilà aujourd'hui en train de pratiquer le métier de mes rêves, coach. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce sujet plutôt qu'un autre? Alors, pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un thème que je pratique personnellement depuis toujours et sur lequel je constate quasi systématiquement la puissance et du coup, je l'affectionne tout particulièrement. Et d'autre part, en échangeant avec mes confrères coachs, j'ai pu me rendre compte que c'était un outil rare et sous-employé qui pourtant mériterait à être davantage utilisé dans notre métier de coach. C'est pour ces deux raisons que j'avais envie de vous présenter la visualisation et en quoi elle peut être utilisée. Merci Lynn, je t'invite à commencer ta présentation et moi je disparais comme d'habitude, mais je reste connecté. Ok, merci beaucoup Yotis. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'être présents ce soir. C'est un réel bonheur pour moi d'être avec vous, qui partagez comme moi de l'intérêt pour cette thématique qui est la visualisation. Et du coup, je voudrais commencer notre webinaire par une question. Je voudrais vous demander quelle est votre attente quant à ce webinaire de ce soir. Alors, vous pouvez soit dans le chat nous dire en quelques mots quelle est votre attente ou bien garder votre réponse pour vous puisqu'après tout, elle est davantage importante pour vous qu'elle ne l'est pour nous puisqu'en fait, vous poser cette question et y répondre va vous permettre tout au long du webinaire de collecter les informations qui vont s'y trouver et y apporter tous les éléments qui vont permettre de satisfaire votre envie de ce soir. Yotis, si tu veux, tu peux dire quelques réactions qu'il peut y avoir. Tu as Sonia qui dit « Je pratique, mais sur de petites choses, j'attends un approfondissement de la technique. » Tu as Blandine qui nous dit « Comprendre ce qu'est la visualisation et comprendre comment l'utiliser. » Tu as Geoffrey qui demande « Quelle est votre définition de la visualisation ?» Mais à mon avis, tu vas nous en parler. Voilà, en tout cas, il y a énormément de réactions. Là, ça n'arrête pas, donc je t'invite à continuer. C'est formidable parce que déjà sur les quelques réactions que tu as pu nous partager, Yotis,
Voilà, on est tout à fait dans le thème de ce que vous allez découvrir ce soir. Et si toutefois il y avait des éléments qui pouvaient manquer, on se retrouvera à l'issue de ce webinaire sur LinkedIn où vous pourrez poser vos questions et auxquelles je répondrai pendant la demi-heure qui suivra le webinaire. En tout cas, mon intention ce soir, parce qu'évidemment, en une heure, on ne va pas pouvoir traiter tout le sujet de la visualisation. Du coup, ce que je voudrais, c'est quand même en définir les contours principaux et notamment exprimer qu'est-ce que la visualisation, comment est-ce qu'on l'utilise, notamment en coaching, et puis terminer par une expérimentation. Donc, si ce programme vous tente, je ne sais pas quelles sont les réactions dans le chat. Si ça vous tente, vous pouvez dire oui. Et puis, du coup, on va pouvoir commencer concrètement. Yotis, est-ce qu'il y a des réactions? Écoute, oui, je viens d'envoyer un tsunami de oui. Allez, oui, joli programme. On y va, bien sûr que oui. Yes, parfait. Et je peux continuer longtemps. Bon, formidable. Donc, du coup, nous commençons par la base qui répond à une des attentes. Définition. Et pour ce faire, je vous propose de répondre à un premier sondage. Ça va être de choisir parmi trois définitions proposées laquelle vous correspond le mieux. Donc, ces trois définitions, dans le sondage, il y aura à choisir uniquement les parties qui sont soulignées en gras. Donc là, je vais vous lire les trois définitions proposées. A, voir pour prévoir, c'est-à-dire créer une ou des images précises, symboliques, plus ou moins réelles, figées ou en mouvement, faire un rêve éveillé, une projection mentale d'une situation afin de voir comment l'améliorer ou prévoir sa réalisation. B, être à l'écoute pour émettre, c'est-à-dire profiter d'un moment de calme ou de silence pour se reconnecter à son soi profond et entendre sa petite voix intérieure, son intuition ou le langage de son subconscient afin de formuler intelligiblement une solution à une situation présente ou future. Et C, ressentir pour activer, c'est-à-dire se détendre et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi à l'idée de l'atteinte de l'objectif visé, modifier sa perception, s'inspirer d'expériences passées pour consentir à élaborer un scénario possible à venir. Donc, Yotis, je t'invite à lancer le sondage qui laisse le choix entre A, voir pour prévoir, B, être à l'écoute pour émettre et C, ressentir pour activer. Quelle est parmi ces trois définitions celle qui vous correspond le mieux? Donc, le sondage est lancé. Vous êtes déjà beaucoup à voter. Vous avez compris le principe, comme d'habitude. Il y a deux réponses qui sont vraiment au coude à coude. On est à 82% et pourtant, elles sont toujours au coude à coude. On va arrêter le sondage ici à 86%, 87%. On arrête le sondage et voici les résultats. Donc, 43% ressentir pour activer. 41% voir pour prévoir et 16% être à l'écoute pour émettre. Alors, merci et bravo à tous parce qu'en fait, chacune de ces définitions est correcte. Elle dépend uniquement de votre canal de communication privilégié, le fameux VAK. Donc, la majorité des personnes qui sont présentes ce soir sont kinesthésiques. Après, on avait des visuels et en dernier, on avait des auditifs. Et en fait, définir quel est votre canal de communication privilégié vous permet de savoir comment formuler de manière optimale votre autosuggestion, votre suggestion au subconscient. Donc, j'espère que vous vous retrouvez effectivement dans ces différents canaux de communication. Alors, suite à justement des réactions que je vois sur le chat, il y a plusieurs personnes qui hésitaient entre le A, le B, ou alors il y a quelqu'un qui nous dit, Marie, Gabriella, A, B ou C selon la situation. Est-ce qu'il est possible justement qu'on soit entre deux réponses? Il est possible, notamment dans les métiers de l'accompagnement et du coup du coaching, étant hypersensible, en fait, on est des maîtres des différents canaux et du coup, ça peut être très, très difficile de les distinguer. Donc voilà, si vous êtes vraiment très proche sur tous les canaux, tant mieux.
quelle que soit la manière dont vous communiquerez avec votre subconscient, il comprendra le message puisqu'il est familiarisé à ces trois canaux de communication différents. Du coup, on peut passer à la suite. Ce que je vous propose, c'est quelques citations qui illustrent ce qu'est la visualisation. Donc, on a Albert Einstein qui disait « L'imagination, c'est tout. C'est l'avant-première des grands spectacles de la vie. » Luc Tessier d'Orfeuille, spécialiste de la méthode Coué, disait que visualiser, c'est implanter une idée ou autosuggestion par l'image. Et François-Paul Cavalier, psychiatre et auteur, dit que la visualisation est une technique de développement personnel qui procure non seulement une image de l'objectif à atteindre, mais les moyens d'y parvenir. Et visualiser, c'est anticiper la manière de convertir le stress en énergie positive. Par ailleurs, je voudrais préciser un petit point sur le vocabulaire que je vais employer ce soir. Il faudra comprendre par visualisation et imagerie mentale le même concept dans lequel je ne ferai pas de distinction. En fait, ce sera aussi bien le fait d'imposer une image précise à l'esprit que de faire émerger des représentations qui appartiennent au subconscient. Après, pour continuer sur la partie définition, je voulais vous proposer quelques exemples. Donc, en fait, comme je vous le disais en introduction, moi, je remarque quasi systématiquement, pour pas dire systématiquement, un lien entre les aléas de santé, les réussites, les échecs et la couleur dominante des pensées autosuggestives, si bien qu'il semblerait que la visualisation entraîne des phénomènes neuropsychosomatiques et en psychoneuroimmunologie. À ce titre, j'ai une expérience qui m'a étonnée encore plus que d'habitude quand il y a quelques mois, je coachais une Canadienne qui souhaitait travailler sa posture professionnelle, être plus à l'aise dans son activité. Et en fait, au fur et à mesure de notre accompagnement coaching, où on utilisait pas mal la visualisation, elle m'a fait comme retour qui était asthmatique, avait de moins en moins de problèmes de respiration et du coup utilisait quasiment plus sa ventoline, ce qui confirme encore ces phénomènes psychoneuro-immunitaires. Par ailleurs, je voulais partager avec vous que le webinaire de ce soir résulte aussi d'une visualisation. Il y a en fait un an et 8 mois, je partageais avec ma coach de l'époque, puisqu'effectivement, nous aussi, coach, on peut apprécier être coaché. Je lui disais mon envie de partager cette thématique qui me passionne, qui est la visualisation, et pourquoi pas au travers d'un webinaire. Et voyez, magie des choses, conscient et subconscient se sont activés ensemble pour réaliser ce rêve. Et ça, c'est grâce au SAR, système d'activité réticulaire, qui fait en fait le filtre des 8 millions de bits d'informations, c'est-à-dire que chaque seconde, on a l'équivalent de 200 articles Internet qui nous arrivent. Et en fait, le SAR permet de filtrer tout ce flux d'informations pour ne donner que celles qui sont nécessaires à notre survie, à l'atteinte de nos objectifs prioritaires ou de confirmer nos intuitions et croyances. Du coup, grâce à ce SAR, ça a fait le tri et ça m'a permis d'arriver jusqu'à vous ce soir. Par ailleurs, vous constatez donc que c'est un processus simple et performant, qui peut être source, comme ce soir, de très très belles réussites, mais aussi de certains déboires en fonction de la sensibilité, cette sensibilité immense qu'a la visualisation avec toutes nos pensées, même celles qui sont saboteuses de par leur scepticisme, croyances limitantes, peur, formatage éducatif ou héréditaire. Du coup, praticiens du coaching ou non, on utilise quasiment tous la visualisation, même sans le savoir, mais dans quel cas concrètement? Pour cette deuxième partie, je vous invite à nouveau à répondre à un sondage. Yotis, tu peux le lancer, dans lequel on vous invite à nous dire quelle est votre profession ou votre activité principale. Quelle est votre profession ou activité principale? Vous avez 5 possibilités. Coach professionnel certifié ou en cours de formation, accompagnateur, thérapeute, sophrologue, accompagnateur, consultant, etc.
encadrant, manager, dirigeant, chargé de formation ou DRH, sportif ou coach sportif, ou autre métier et étudiant. Nous sommes déjà à 81%, on va bientôt arrêter cela et nous arrêtons à 85%. Donc, pour les résultats, quelle est votre profession ou activité principale? Numéro 1, 68% coach professionnel certifié ou en cours de formation. 19% encadrant, manager, dirigeant, chargé de formation ou DRH. 7% accompagnateur, donc thérapeute, sophrologue, formateur, consultant, etc. 6% autres métiers et étudiants. Et par contre, nous n'avons pas de sportif ou de coach sportif. Ok. En tout cas, on voit que le panel est quand même varié, même si une majorité de coachs. Et c'est tout à fait logique parce qu'en définitive, la visualisation est présente et est utilisée au travers de différents corps de métier. Bon, les sportifs qui ne sont pas représentés ce soir, mais aussi le corps médical avec les chirurgiens, les sages-femmes, les thérapeutes, le corps éducatif, aussi bien enseignants, la parentalité, les étudiants. Et aussi le domaine de la stratégie avec la politique, la direction. Donc voilà, la visualisation peut être employée dans différents domaines. Et c'est en raison du fait que les neurosciences ne cessent de démontrer la puissance de l'utilisation de l'imagerie mentale, donc par l'autosuggestion ou la projection, pour la mise en action, oui, la mise en condition, le passage à l'action et l'optimisation. Comme la visualisation, d'autres disciplines utilisent aussi la suggestion. On retrouve la méthode Coué, la sophrologie, la relaxation, l'hypnose. Du coup, quel intérêt y a-t-il particulièrement à l'utiliser au travers du coaching? Donc, comme on l'a vu, tout le monde peut utiliser la visualisation. Rien que de penser à quelque chose, c'est déjà se donner... toutes les chances pour trouver comment réaliser cela. Mais vu que c'est souvent inconscient, des maladresses sont parfois commises. D'autre part, dans tous les coachings, au travers du processus de coaching, que ce soit au moment de la définition de l'objectif ou dans certains exercices, on utilise parfois sans le savoir la visualisation, ce qui d'ailleurs est une des raisons de la performance de notre métier. Et plus particulièrement en coaching ericksonien, où vraiment on a été formé à utiliser, employer la visualisation, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à mettre en état modifié de conscience notre sujet pour qu'il puisse rentrer en contact avec son subconscient. Mais la différence avec l'hypnose, c'est qu'en hypnose, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience, c'est l'hypnothérapeute qui induit une suggestion. Là, vu qu'on est en coaching, comme vous le savez, en coaching, le coaché reste autonome tout le temps. Donc, même là, en fait, le praticien est là pour offrir un cadre sécurisant et permettre à la personne de se mettre en état modifié de conscience. Mais après, c'est la personne, le coaché, qui fait son propre rêve, sa projection, sa suggestion, ce qui fait qu'il est totalement connecté avec lui, ses ressources, ce dont il a besoin, les messages de son subconscient, et ressort de là des transformations tout à fait étonnantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intérêt de l'utiliser dans le coaching? Du coup, des transformations tout à fait étonnantes, rapides et durables. Et donc, allier cet outil à l'efficacité du coaching, ça permet vraiment un voyage en profondeur et tout à fait performant. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que la visualisation qui est bien connue dans tous les livres, les sites sur lesquels vous pourriez parcourir ce sujet, c'est cité comme un outil du succès. Et donc, il a toutes ses raisons à être utilisé en coaching où on est accompagnateur du succès de nos clients. Donc, il mériterait être un incontournable de notre boîte à outils. D'autre part, en plus d'être totalement adapté à notre cœur de métier, la visualisation respecte les 11 compétences d'ICF et plus particulièrement encore de la 3 à la 8,
avec notamment le rapport, avec cette création de relations de confiance et d'intimité avec notre client qui permet de le mettre dans cet état modifié de confiance en toute confiance. La présence du coach, le fait d'être là, c'est sécurisant. Notre écoute active, on entend même ce qui n'est pas dit. Le questionnement puissant, le fait de poser les bonnes questions au bon moment, de la bonne manière, la communication directe, avoir le courage de dire les choses et la création de prise de conscience de par tout le processus. Du coup, la visualisation crée de très, très belles prises de conscience. Pour continuer, je vous l'ai déjà dit, la visualisation aide à la réussite, mais concrètement, dans tous les accompagnements que je fais où j'utilise la visualisation, je constate à minima 3 bénéfices. Donc, tout d'abord, la visualisation fait du bien avec en délivrant une sensation d'être connecté à son soi profond, serein, détendu et en confiance. Aussi, elle permet d'éclaircir sa vision, de clarifier une situation ou un objectif et cerise sur le gâteau. Parfois, elle apporte des changements tout à fait impressionnants au-delà de ce qu'on aurait osé pouvoir espérer. Dans ces exemples, comme je vous disais, voilà, le métier de mes rêves, je l'ai rêvé adolescente et finalement, après des parcours de vie particuliers, me voici aujourd'hui depuis quelques années coach, le webinaire, enfin voilà des choses où on espère, on rêve, on imagine, sans vraiment oser pouvoir l'espérer, oser pouvoir y croire. Et la visualisation nous démontre que si, c'est possible. J'avais entendu aussi dans les commentaires de l'exercice pré-webinaire une personne qui utilise la visualisation pour trouver ses places de parking. Et a priori, ça fonctionne aussi. Donc voilà, ça peut être tout à fait bluffant. Donc à tout niveau, la visualisation est un outil dont on peut user et abuser sans modération. Tu vois, Yotis, moi aussi, je bégaye sur la visualisation des fois. Je me dis finalement, j'aurais pas dû lui faire peut-être ce commentaire vu que je vois qu'elle bug aussi un peu. Tu me l'as fait, pouvoir de la visualisation. Tu m'as induit cette suggestion que du coup, apparemment, j'ai acceptée et donc je la reproduis maintenant à mon tour. Alors, mais justement, vu qu'on fait une mini petite pause, il y a plusieurs réactions qui reviennent quelquefois. C'est, peut-on avoir des exemples concrets? Ok, du coup, j'essaye de vous en donner au fur et à mesure. Du coup, là, par exemple, quand on est dans l'exercice de visualisation, comme je vous disais, on se reconnecte à son soi profond, on se détend et en fait, on redécouvre qui on est. Et cette sensation, c'est hyper agréable. Je pense que vous le voyez et à défaut, vous allez l'expérimenter. Tout à l'heure, on va faire un exercice sur la visualisation. Si c'est flou, là, tout va devenir clair. Deuxième point, la clarification et les changements impressionnants. Je vous ai donné quelques exemples. Pour continuer donc sur les avantages et bénéfices, l'avantage numéro un, c'est que c'est un processus tout à fait naturel que tout le monde peut utiliser. Et je pense que son efficacité est liée au fait que probablement la visualisation utilise en fait les trois zones de notre cerveau. Le néocortex, que certains d'entre vous connaissent, ce qui est générateur des pensées créatives, d'images et d'ingéniosité. En créant en fait l'image, la pensée autosuggestive dans notre visualisation, en fait, on active le néocortex. Le deuxième cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions, sollicitées permettent l'ancrage, la mémorisation. Là aussi, je vais vous donner un exemple un petit peu plus loin. Mais du coup, quand on est dans une émotion forte et quand on est dans une visualisation, comme ont pu le voir ceux qui ont pratiqué l'exercice pré-webinaire, le fait de voir quelque chose, il y a des émotions qui s'y associent. Et notre cerveau reptilien, qui est le catalyseur de nos réflexes automatiques et qui est l'endroit où est géré le subconscient. Et vu que dans la visualisation, on se met en état modifié de conscience, on est en connexion avec notre subconscient. Du coup, ce que je trouvais d'assez intéressant, c'est que finalement, nos trois zones de cerveau sont en relation à ce moment de la visualisation, ce qui permet selon moi sa si grande puissance.
Toutefois, là encore, c'est une présentation assez caricaturale. Pour plus de détails d'informations, je vous invite à suivre l'actualité, notamment sur les neurosciences. Donc, maintenant que son intérêt n'est plus à démontrer, je vous propose de passer du pourquoi au comment. Donc, plus concrètement, comment est-ce qu'on utilise la visualisation mode d'emploi? Alors, tout d'abord, côté timing, combien de temps ça prend d'entrer en visualisation? Alors, si une séance de coaching prend entre 30 et 60 minutes, quand on le pratique soi-même, 10 à 15 minutes par jour suffisent à rendre une visualisation réelle. C'est à la portée de tout le monde. Pour créer une visualisation, il faut se mettre en condition. Donc, tout d'abord, par le rapport. Donc, le rapport, c'est ce que je vous disais, de créer un cadre sécurisant dans lequel on se sente en confiance, confortablement installé pour pouvoir entrer dans cet état de visualisation. Il faut aussi partir avec un objectif clair, savoir clairement ce que l'on souhaite atteindre. Ou alors, ça peut être l'objet d'un exercice de visualisation. On est dans un sentiment un petit peu de mal-être. On a envie que ça s'améliore, mais pour autant, on ne sait pas vraiment de quoi on a envie ou besoin pour. Ben, ça peut être l'objet d'une visualisation. Ensuite, pour pouvoir entrer en visualisation, il nous faut le consentement. Il faut que la personne soit OK, donne son accord, donc soit via le contrat en coaching, soit par l'acceptation. Et du coup, ça se manifeste notamment par une motivation, une envie de voir son objectif réalisé. Et enfin, on entre en induction. En fait, l'induction, c'est l'accès à notre zone de perméabilité. Donc, ce qu'on disait quand on arrive vers le subconscient au niveau du cerveau reptilien. Et pour ce faire, en fait, notre cerveau émet des signaux électriques qui permettent la transmission d'informations entre tous nos synapses. Et ce potentiel électrique est différent en fonction de notre état de conscience. Donc, lorsque l'on est en situation habituelle, comme là, vous qui regardez ce webinaire ou moi qui suis en train de l'animer, on est en bêta. Donc, on a des ondes très, très rapprochées. Lorsqu'on est en état de somnolence ou de détente, on est en alpha. Les ondes ralentissent doucement. Et lorsque l'on est en méditation profonde, de transe hypnotique, sommeil, on passe en θ. Et c'est au niveau d'alpha et θ que l'on entre en communication avec notre subconscient par l'état modifié de conscience. Donc pareil, je vais vous expliquer encore plus concrètement tout à l'heure comment on fait ça. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est notamment l'utilisation de la relaxation, de la méditation, de la cohérence cardiaque ou tout simplement des exercices de respiration sont utiles. Sur le déroulé, donc une fois que la personne est descendue au niveau de ses ondes, comme vous le savez, les personnes qui sont chargées de stress, elles nous communiquent ce stress. Et du coup, là, on est plutôt sur du bêta, voire plus, qui n'était pas sur le schéma. Et lorsqu'on est avec un accompagnateur qui est détendu, de par la fluctuation lente et modulée de sa voix, on peut rentrer dans cet état de détente où on va pouvoir commencer le déroulé. Donc, notamment avec la focalisation qui est le rétrécissement du champ de conscience. Vous savez, ces fameuses phrases de « fermer les yeux », ou fixer un point réel ou imaginaire, ça permet en fait de se focaliser. À partir de ce moment-là, on va pouvoir créer la suggestion. Il y a différents procédés pour ça, mais dans tous les cas, la suggestion doit être brève, formulée au présent et positive. Et du coup, les différentes méthodes qu'on peut employer, il y a le faire comme si l'objectif était atteint. Donc, on a l'exemple avec la PNL de comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on ressent. En agissant comme si l'objectif était atteint, notre subconscient va faire son possible pour réduire la distorsion entre
ce qu'on a envie de vivre, qu'on projette dans la visualisation et notre réalité actuelle. Et d'autre part, l'environnement capte ces informations et du coup, pour lui, c'est comme si le désir que vous mettez dans votre visualisation était atteint. Et du coup, vous attirez naturellement vers vous les personnes et les ressources qui vont vous permettre de réaliser votre objectif. Par ailleurs, les niveaux logiques de DINS peuvent être utilisés en visualisation pour détailler, être vraiment le plus minutieux possible sur la projection que vous faites. Ça va vous permettre en fait de la vivre comme si elle était réelle, parce qu'en définitive, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement. Il y a d'ailleurs de très belles expériences qui ont été démontrées sur des sportifs qui, alités à la suite d'un accident, ne peuvent pas s'entraîner. Et pour autant, à se répéter mentalement leurs exercices, lorsqu'ils reprennent l'activité, ils ont quasiment rien perdu parce qu'en fait, ils l'ont pratiqué mentalement. Ils y ont mis tous les détails minutieux. Et ressentir physiquement aussi ce qui s'y passe, y mettre des émotions, ce que je disais tout à l'heure sur le cerveau limbique, y mettre des émotions, ça permet l'ancrage, la mémorisation de ce qui se passe dans la visualisation. Par exemple, je voulais vous proposer un exemple. Donc, quel est votre, quel est ou quels sont vos plus anciens souvenirs? Si vous voulez, vous pouvez partager en commentaire. Donc oui, dans les réactions, n'hésitez pas à mettre votre plus ancien souvenir. Alors, ça peut être votre premier bol de céréales parce que enfant, vous n'aviez le droit qu'à des tartines beurre confiture et puis en colonie de vacances, youpi, vous aviez le droit à des cornflakes. Ça peut être vos premiers pas, ça peut être… Est-ce que c'est un âge que tu demandes ou alors est-ce que c'est une image? Le souvenir. Le souvenir. Vous vous souvenez de quoi le plus vieux possible? Alors, donc nous avons Peggy qui nous dit la maternelle, Christelle qui nous dit mon entrée en école primaire, Florence qui nous dit 6 ans, et ça commence à… Voilà, tout le monde se lâche. Donc, cours de récréation pour Stéphanie. Mon cocker pour Elena, le froid du carrelage à damier noir et blanc chez ma grand-mère de la part de Sylvie, Rim qui nous dit activité de sport à l'école primaire en cours, Brigitte qui nous dit je ne sais pas si je mélange ce qu'on m'a raconté ou ce que j'ai vécu, l'arbre de Noël avec peu de jouets. Donc il y a Elias qui nous dit la maternelle, Christelle qui nous dit mon arrière-grand-mère m'apportait des fraises, il fait beau. Elle descend les escaliers du jardin alors que je devais avoir 1 an et demi. Père des crêpes, nous dit Sylvie. On va terminer avec un dernier. Alors, c'est au hasard. Hein. Vous êtes trop nombreux, donc c'est au hasard. C'est Naïla qui nous dit « Mon grand-père qui me porte au rameau ». Eh bien, ce que je voudrais vous faire constater, c'est que vos plus anciens souvenirs sont très probablement liés à une très forte émotion. Pour ceux qui ont parlé de maternelle, que c'est été une émotion positive, la joie de ces moments récréatifs avec vos camarades, ou que c'est été un moment difficile, la séparation avec les parents, etc., ou les souvenirs des fraises, etc., c'est en fait des moments où il y a eu une très, très grosse émotion qui a été vécue. Et du coup, vous l'avez, ça vous a permis d'enregistrer ce souvenir sur une très, très longue période, puisque bah, je ne sais pas de quand date votre souvenir, mais du coup, d'au moins quelques dizaines d'années parfois. Donc voilà, le fait de lier des émotions dans sa vision, même si elle est imaginée, ça va faire le même processus que ce que vous avez vécu par le passé et que vous avez vécu une grosse émotion, bah, le souvenir est resté. Vous vivez une grosse émotion dans la visualisation, le rêve que vous projetez va être ancré et du coup, vous enregistrez en même temps l'objectif atteint, vous enregistrez comment l'atteindre et vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça le soit.
par ailleurs, dans votre projection, que vous soyez finalement très très réaliste en décrivant des choses très réelles ou que vous fassiez surgir de votre subconscient des métaphores qui synthétisent des concepts et des idées qui peuvent sembler sans lien les uns des autres, ça fonctionne tout pareil, voire des fois même plus. Ce qui fait que pour certaines personnes qui ont du mal, qui se trouvent bloquées, j'aimerais résoudre ce problème, mais vraiment je ne vois pas comment faire, lui proposer de mettre un symbole sur le problème et d'imaginer comment elle peut franchir ce mur qui se dresse devant elle. Mais en fait, ça va lui permettre là, de se reconnecter à son néocortex et de faire preuve de créativité tout en étant déconnectée des craintes qu'elle peut avoir par rapport à la situation réelle. Du coup, là, elle laisse libre cours vraiment à tout ce qui peut émerger du subconscient et trouver des ressources inenvisagées, ce qui fait qu'après, quand elle revient au niveau conscient, retransposer, retraduire ce qu'elle a vu de manière symbolique, lui apportera des réponses qu'elle n'avait pas avant d'arriver en processus de visualisation. Par ailleurs, dans le déroulé, certains d'entre vous ou de nos coachés peuvent avoir des difficultés à visualiser. Parmi les solutions proposées, il y a de se rapporter à des réussites passées. Vous avez tel problème, quelles sont les expériences passées dans lesquelles vous avez réussi à surmonter quelque chose d'équivalent? Et ensuite, d'adapter à la situation actuelle, ça permet finalement d'enrichir s'il peut y avoir un manque de créativité en s'inspirant d'événements passés. D'autres peuvent avoir des difficultés pour créer des images. Et là, Yoti, je t'invite à lancer le troisième sondage dans lequel on vous invite à fermer les yeux et à imaginer quelque chose, pourquoi pas un oiseau, et de nous dire si vous voyez des images claires en 3D et vivement colorées ou pas. Lorsque vous pensez à un oiseau, par exemple, les yeux fermés, est-ce que vous voyez des images claires en 3D et vivement colorées? Yotis, tu peux lancer le sondage? Lorsque vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que lorsque vous voyez un oiseau, par exemple, de quelle manière vous le voyez? Alors, je vois qu'on est à 80%. Il y a une différence. En effet, il y en a une qui prend le dessus. On est à 82 et je vais arrêter le sondage. Donc, voici les résultats. Oui à 56%, non à 44%. Alors, ce qu'on voit, c'est que même s'il y a une majorité, c'est quand même rapproché. Et d'ailleurs, la majorité contredit les statistiques qui sont habituellement constatées, mais ce n'est pas étonnant puisque la majorité de notre public ce soir est coach. Du coup, normalement, la majorité des êtres humains n'a pas cette capacité à voir les yeux fermés, des images en 3D et vivement colorées. C'est ce qu'on appelle la visualisation eidétique. Et du coup, c'est une capacité qui est possédée par une minorité de gens. Donc, bravo en tout cas pour ceux qui la possèdent d'entre nous ce soir. Vous êtes facilités donc pour créer des visions. Toutefois, pour ceux qui n'y arrivent pas, rassurez-vous, vous êtes dans la majorité des êtres humains. Et ce n'est pas du tout un frein pour la visualisation, puisqu'en définitive, on peut utiliser des supports physiques, des dessins, des collages, des montages photos, aussi bien pour remplacer cette vision qu'on peut créer dans la tête pour ceux qui ont cette capacité, ou pour la renforcer. Donc, il n'est pas utile de vraiment réussir à créer une vraie image dans sa tête, puisqu'en définitive, la visualisation fonctionne avec la pensée. Et ça, la pensée, on en est tous dotés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la méthode Coué ou toutes ces thématiques où on utilise les affirmations répétées fonctionnent, parce qu'en définitive, on utilise la pensée plus qu'une vraie image avec des couleurs, des formes, etc. Il y a une question par rapport à ce dernier sondage. Alors, la personne n'a pas écrit son nom, donc je ne sais pas la citer, mais dans le sondage, c'est avec ou sans effort?
Avec ou sans effort, c'est pareil parce qu'en définitive, si vous y arrivez avec effort, c'est que vous êtes capable de le faire, c'est juste que vous manquez d'entraînement. Alors que, en fait, les statistiques, c'est que même avec effort, si on n'est pas capable de produire cette image, même avec effort, on n'y arrive pas. Mais bon, du coup, rassurez-vous parce que pour la visualisation, il suffit de penser. Et ça, pour vous donner un exemple que la pensée, est accessible au-delà des images et au-delà des mots. Moi, dans mes premiers souvenirs, je me souviens de l'époque où j'ai appris à marcher et je me souviens de cette frustration que je ressentais d'avoir envie de dire plein de choses et de manquer de vocabulaire pour pouvoir m'exprimer. Et du coup, voilà, la pensée était là. Je voyais dans ma tête ce que je voulais. Mais je n'avais pas les mots, pas le vocabulaire, pas encore appris à parler, et du coup, je ne pouvais pas l'exprimer comme on fait. Mais du coup, voilà, la pensée, on l'a tous, et en plus depuis le plus jeune âge. Enfin, une fois qu'on a déroulé tout le processus, soit notre objet désiré existe, et du coup, on va le trouver. Soit il n'existe pas, mais on va savoir comment le créer. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ceci fait, on peut retourner à l'ici et maintenant, donc ce qu'on appelle le retour à la tonicité, après avoir laissé un temps d'imprégnation suffisant. La visualisation, ça ne se fait pas en 2 secondes, il faut prendre quelques minutes. On a vu que même au quotidien, à l'utiliser chacun personnellement, 10-15 minutes, c'est pas 20 secondes. Du coup, parce qu'une fois qu'on est dans cette image, eh ben on prend un petit peu le temps de la savourer, de s'en imprégner. Et après ça, on revient. Du coup, pour revenir, l'accompagnateur utilise un ton de voix et un rythme plus dynamique. Ensuite, il va penser à annuler les suggestions qui seraient incompatibles avec l'état de veille. Par exemple, pour mettre en état modifié de conscience, les suggestions qui ont pu être proposées, c'était vous êtes totalement détendu, tous vos muscles sont relâchés. Ce qui, si à la fin de l'exercice, on n'annule pas cette suggestion, la personne repart avec et ça va être un petit peu compliqué pour repartir, même rien que marcher, hein. Donc, ce qui convient de faire, c'est de lui dire, ayant pleinement profité de cet état de détente, votre énergie est maintenant totalement restaurée et vous êtes désormais en pleine forme, prêt à poursuivre votre journée. Et la dernière partie, c'est verbalisation. Du coup, il est important en clôture de séance de mettre des mots sur l'expérience qui a été vécue pour faire le pont finalement entre ce qui a été ressenti au niveau du subconscient et ce qui va être compris et retenu au niveau du conscient. Par contre, je voudrais citer quelques limites et points de vigilance à avoir. Donc là aussi sur la clôture, attention, en fait, c'est la dernière suggestion qui est formulée en séance qui va être retenue. Donc, par exemple, quand vous accompagnez quelqu'un qui travaille très dur et qui vient vous voir pour apprendre à se détendre et que pendant la séance, eh ben, il a vu des choses super et il est enfin détendu, si vous finissez la séance par bravo, bon courage et travaillez bien, ça le remet un petit peu dans bon, bah, effectivement, c'était agréable, mais je repars travailler dur. Par le mot courage, voilà, vous avez amoindri les effets de la suggestion, de la visualisation qui avait été vécue. D'autre part, je voulais vous donner un point de vigilance sur l'anagramme de image, qui est magie. Effectivement, même si les résultats qu'il peut y avoir dans les séances peuvent paraître magiques, en fait, dans le processus de visualisation, vous restez le seul maître. La magie, en fait, est en vous. Donc, gare au gourou. Ne transmettez pas votre pouvoir à qui que ce soit. Faites-vous confiance. C'est vous qui avez tout le pouvoir de faire que la visualisation fonctionnera. Pour que la visualisation fonctionne, le passage à l'action, en ayant des actions qui sont cohérentes avec ce que vous avez projeté mentalement, ben, ça va permettre de souder les fondations que vous aurez alors créées. Attention, parce que vous pouvez avoir des pensées saboteuses. Je voulais en fait vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un gagnant et un perdant? Il y a des réactions. Donc, un perdant est un gagnant qui s'ignore.
le gagnant a un plan B, le perdant apprend plus vite, le perdant n'y croyait pas en y allant, pas de différence, le perdant doit tirer profit de son échec, un gagnant va vers et perdant s'éloigne de, il y en a pas mal. Donc effectivement, le gagnant en fait perd beaucoup plus que le perdant, sauf que il, comme ça a été dit aussi, il apprend de ses échecs et il rebondit. Donc en fait, on est tous amenés à être des perdants ou des gagnants. Ça va dépendre de si on abandonne ou pas. Et ça va dépendre aussi, effectivement, ça a été dit, de la vision qu'on a. Si jamais on se voit échouer, si on doute, si on a peur, si on se sent impuissant ou qu'on a un sentiment de manque qui prédomine, bah, là aussi, la visualisation, elle opère, mais en notre défaveur. D'où voilà, mon petit dé, les pensées saboteuses. Faites attention à vos pensées parce que toutes vos pensées sont entendues par votre subconscient. Donc, essayez d'apprendre à vous faire confiance, à vous rassurer et à croire que c'est possible. Ça n'arrive pas toujours quand et comme on voudrait, mais faites confiance à votre subconscient. Du moment que vous êtes très clair et que c'est un objectif écologique pour vous et tout le monde, il mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour que ce soit atteint. L'autre point de vigilance, le subconscient méconnaît la négation. C'est-à-dire que le subconscient est un programme de base hyper simple qui comprend les verbes d'action mais qui ignore toutes les petites fioritures que vous pourriez être amené à mettre autour. Donc quand par exemple je vous dis ne pensez pas à un éléphant, à quoi pensez-vous? Un éléphant, et il y a même une personne que je ne citerai pas dont je connais le nom qui a écrit un éléphant rose, voilà. Mais voilà, donc du coup, ne pas formuler votre objectif par « je ne veux plus faire ceci »,« je ne veux plus être comme ça », mettez direct au positif ce que vous voulez être, faire, etc., pour que ce soit entendu et compris par votre subconscient. D'autre part, même si donc, la visualisation est à la portée de tout à chacun, vous pouvez avoir envie ou besoin d'être accompagné. Et du coup, ce que je peux vous conseiller, tant qu'à confier votre esprit à quelqu'un, faites-le auprès de quelqu'un qui est formé, certifié, expérimenté, qui travaille sur lui-même, supervision, mentorat, et qui respecte une déontologie et une éthique pour vraiment pouvoir partir en toute confiance et atteindre votre objectif de la meilleure des façons. Donc maintenant que tout ceci est dit, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie expérimentation. Donc, sur la partie expérimentation, je voulais faire un petit partage d'expérience parce que du coup, pour ceux qui l'ont fait, je vous remercie en tout cas d'avoir pris 3 minutes de votre temps pour faire cet exercice donc, dans lequel l'idée, c'était de démontrer qu'une simple pensée a des effets physiques et des comportements consécutifs. Et il y a donc, comme vient de le dire Yotis, eu plus de 1000 vues. Et une cinquantaine, entre 50 et 60 commentaires. Donc, parmi les commentaires, donc l'exercice, c'était de penser à sa gourmandise. Parmi les commentaires, on a eu Irène et Aki Francisco qui disaient « En quelques secondes, m'est apparu mon chocolat préféré, un tout petit cube, mais si fort et puissant en couleur, odeur, saveur, que j'ai vraiment cru à sa présence là à côté de moi. » J'ai humé et salivé exactement comme si je m'apprêtais à le savourer. Oui, je vais passer chez le chocolatier. Donc voilà, cet exercice de visualisation, aussi simple était-il, démontrait finalement que de penser à quelque chose fait des effets immédiats. On a notre corps qui réagit, mais en plus induit des comportements consécutifs. On est amené à aller chez notre chocolatier. D'ailleurs, je note que 17% des réponses s'axaient autour du chocolat et que du coup, les ventes de chocolat ont dû exploser en ce début octobre. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire cet exercice, il est toujours disponible sur Facebook, LinkedIn et YouTube sur les pages d'ICF Synergie. Et donc, je vous invite à le faire, voilà, par curiosité ou par plaisir. Ça prend 3 minutes. Est-ce que j'ai
j'ai le temps, 10 secondes, de te poser une petite question concernant cet exercice. Lorsque j'ai eu l'occasion de le regarder quelques fois, donc deux, trois fois, j'ai cru comprendre à un moment, bon, je ne vais pas dire à quelle seconde exactement, qu'il y a eu des réactions chez toi également lorsque tu as proposé cet exercice. Donc, je voudrais savoir à quoi est-ce que toi, tu as pensé pendant l'exercice? Alors, je dois dire que les premières fois que j'ai fait l'exercice, j'ai pensé à des gourmandises très sucrées, type chocolat aussi, hein, chocolat noisette, etc. Mais du coup, entre ça et la lecture des commentaires, j'ai pris 1 kilo. Donc après, j'ai dû me faire des visualisations un peu plus diététiques. Et donc, je me suis visualisée notamment la consommation d'une pomme. Avec son croquant, sa fermeté, sa tendresse et tout son petit côté sucré acidulé. Et c'était une aide considérable pour reperdre ce petit kilo avant de vous retrouver ce soir. Comme quoi, il y a des techniques aussi avec la visualisation pour perdre du poids. Tout à fait. Et ça marche très bien. Donc du coup, je vous invite à passer à la partie la plus pratique de notre webinaire de ce soir. Et pour ce faire, si vous avez été assidu tout le long du webinaire, vous vous souvenez peut-être de comment est-ce qu'on débute une séance de visualisation. Alors il faut démarrer par avoir un objectif. Je vous invite à penser, à prendre quelques instants pour penser à l'objectif que vous aimeriez bien atteindre. Et lorsque c'est bon pour vous, je vous invite à vous détendre. Pas d'induction. Donc, pour ce faire, on peut utiliser la respiration. Vous pouvez prendre une première grande inspiration, suivie d'une première grande expiration. Et à nouveau une grande inspiration, suivie d'une grande expiration. Et lorsque vous vous sentez complètement détendu, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts et penser à votre objectif. Que voulez-vous être? Que voulez-vous faire? Que voulez-vous avoir? Lorsque c'est clair pour vous, je vous invite à imaginer que cet objectif est atteint. Si vous faites comme si cet objectif est atteint, comment vous comportez-vous? Où êtes-vous? À quel moment se passe cette image? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Quelle est l'émotion que vous ressentez? Cette émotion est réelle, l'atteinte de votre objectif aussi. Quelle différence vous constatez entre cette vision et votre situation actuelle? Et qu'est-ce qui est sous votre contrôle qui va permettre sa réalisation?
Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Après, soyez lumière, vous pourrez repartir avec ces solutions et les organiser en un plan détaillé et programmé sur un temps donné. Pour l'instant, je vous invite à nouveau à réimaginer votre objectif atteint. Vivez-le, ressentez-le pleinement. Respirez profondément au travers de cet objectif réalisé. Lorsque c'est bon pour vous, je vous invite à revenir progressivement ici et maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous pouvez répondre dans le chat pour donner un signal à Yotis comme quoi vous êtes revenu. Alors, le temps que les gens reviennent, il y a déjà des réactions. Alors, Sereine nous dit Blandine, Cécile nous dit apaisée, Naila bien, Christina merci, Karine ok, Laurie bien, merci, Virginie bien. Apaisé, nous dit Sandrine. Je viens de gagner 6 000 euros, nous dit Samuel. Donc, Joël endormi. Magali, coucou, retour avec beaucoup de sérénité. Lynn, détendue. Rim, dans l'objectif. Éléonore, bien. Anne, souriante. Véronique, détendue. Il y a énormément de personnes. Donc, je vais pas, malheureusement pas pouvoir lire toutes les autres réactions. Formidable. Et puis bah, pour Joël qui est endormi, elle va pouvoir poursuivre par la nuit qui va suivre. Ou sinon, bah, voilà, se redynamiser si jamais elle a encore des choses à faire par la suite. Pour clôturer notre webinaire, nous avons créé un menti.com. Comme vous le savez, c'est quasiment rituel maintenant chez ICF Synergie. Le nuage sera accessible sur les réseaux de l'ICF Synergie, vous avez l'habitude. Ok, bah merci beaucoup Yotis. Et j'invite tous ceux qui auraient des questions à nous rejoindre sur LinkedIn, sur la page d'ICF Synergie Entreprise. Il y a un visuel sur lequel vous êtes invité à poser vos questions en commentaire, auxquelles je répondrai pendant la demi-heure qui suit. Et donc, à tout de suite pour cela et pour les autres, en tout cas pour tout le monde. Continuez à cultiver votre capacité de visualisation. Un grand merci, Lynn, pour cette belle visualisation. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée où que vous vous trouvez. Et Lynn, je te laisse le mot de la fin. Encore merci à tous et puis du coup, à très bientôt.